Alors, les CE1, mais le CP, vous pouvez le faire aussi sur l'ardoise. Vous devez écrire ce nombre en chiffres. Donc, on va compter le paquet de 10, les dizaines. Donc, on a 2, 4, 6 dizaines. 6 paquets de 10, ça fait 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, on va écrire 6 paquets de 10 et 3 tout seul, 3 unités. Donc, ça va faire 63. Maintenant, seulement pour les CE1, vous allez écrire 63 en lettres. 63, ça fait 2 mots. Entre les 2 mots, il faut absolument mettre un tiret. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir le faire. 60-3. Alors, si on fait 63 plus 1, donc on rajoute une unité, ça va faire 6 paquets de 10 et 4 tout seul. 64. Si on fait 63 moins 1, on en enlève 1, ça fait 6 paquets de 10 et 2 tout seul. 62. Ok, si maintenant on fait plus 10, on rajoute un paquet de 10. Et bien maintenant, ça va faire 6, 7. Donc, soit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70, 71, 72, 73. Donc, 7. Paquet de 10 et 3 tout seul. Alors, on compte combien il y a d'unités. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités toutes seules. Donc, 5 unités plus combien de paquets de 10? 2, 4, 6, 8. 8 paquets de 10. 8 dizaines. Alors, ça va faire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 85. Alors, attention, dans les exercices la semaine dernière, il y en a plusieurs qui sont tombés dans le piège, qui m'ont écrit 58. Non, il faut bien vérifier, c'est écrit unité ou dizaine. On peut écrire 8 dizaines plus 5 unités, c'est la même chose que 5 unités plus 8 dizaines. C'est la même chose, sauf qu'on les a mis hop, de l'autre côté. D'accord? Donc là, ça fait bien 8 paquets de 10 et 5 tout seul, 85. Donc maintenant, vous allez m'écrire en lettres 85. On compte les mots 4, 20, 5. Alors, pourquoi on dit 85, 85? Parce que regardez, il y a un paquet de 20, 20, un deuxième paquet de 20, ça va faire 40, un autre paquet de 20, ça fait 60, et un autre paquet de 20, ça fait 80. Il y a bien 1, 2, 3, 4, 4 paquets de 20, donc 80 et 5. Donc maintenant, on garde 85. Et on va faire plus 1. Donc, on rajoute une unité. Ça fait bien 5 plus 1, 6. Donc, on va dire 86. Maintenant, on va faire moins 1. Donc, on a 8 paquets de 10, 5 tout seul. On enlève 1, ça fait bien 4. Donc, 84. Maintenant, on va faire plus 10. Donc, on rajoute une dizaine et ça fait bien 2, 4, 6, 8, 9. 9 paquets de 10. Donc, 9 dizaines et 5 unités. Donc,
nous allons dire, on sait que les 8 paquets, ça fait 80, plus 1, 90. 90, 91, 92, 93, 94, 95. Ça se dit 95, un 9 et un 5. Alors, on va compter. Là, on a une unité plus 2, 4, 6 et 7. Donc, plus 7 dizaines. Donc, on sait que ça fait 20, 40, 60, 70. 70 et 1, 71. 7 dizaines et une unité, ça se dit 71. Donc, il y a trois mots, 60 et 11. On doit mettre des tirets entre chaque mot. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour écrire. Tiret et tiret 11. Donc, maintenant, on va faire plus 1. Donc, on rajoute une unité. Ça fait toujours 7 dizaines, mais cette fois-ci avec deux unités, ça va faire 70, 71, 72. Moins 1. Donc, on avait 71, on enlève 1, il ne nous reste plus que 7 dizaines. Donc, 70. Si on rajoute maintenant à 71 plus 10, on rajoute une dizaine, ça va nous faire 8 paquets de 10. Et un tout seul, 81. Parce qu'on peut de nouveau faire des paquets de 20. 4 paquets de 20. 4 paquets de 20, ça fait 80 plus 1, 81. Nous allons faire un nouveau jeu. Donc, on pourra y jouer en classe quand on reviendra. Donc, il faut faire des paquets de deux cartes pour faire 10. Donc là, nous avons 4. Il faut que nous cherchions la carte qui va avec le 4 pour faire 10. Donc, pour nous aider au début, on va utiliser les unités. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4. Nous, on en veut 10. Donc, on va en rajouter 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien on en a rajouté? 2, 4, 6. Donc, on peut dire que 4 plus 6, ça fait 10. OK, 4, il faut rajouter 1 pour faire 5, et encore 5, et ça fait 10. Donc, c'est bien la carte 6. Donc, on peut écrire 6 plus 4 égale 10. Alors, quelle est la carte qu'il nous faut pour faire 10? Donc, nous avons 5. 5 et nous voulons 10. Donc, il va falloir rajouter encore 5. Donc, on peut dire que 5 plus 5 égale 10. Alors, nous avons 2. Nous voulons 10. Donc, on a 2 et on veut 10. Donc, 2 pour aller à 5, il en manque 3. Plus main, une main. 3 plus 5, 8. Donc, on va compléter 1, 2. Nous, on pense que c'est 8. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on peut écrire 8 plus 2 égale 10. Ou 2 plus 8
égale 10. Alors, nous avons 7 et nous voulons 10. Donc, on a 7 et il nous en manque 3 pour faire 10. 3. Donc, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut donc écrire 3 plus 7 ou 7 plus 3 égale 10. Donc ça, ça s'appelle les compléments indices. Il faut tous les connaître. Alors, maintenant qu'on a fait ces petits jeux, on va essayer de compléter pour faire 10. Donc si on a 0, bien sûr qu'il va falloir en ajouter 10. 0 plus 10 égale 10. Si on en a 1, il va falloir compléter avec 9. 1 plus 9 égale 10. Si on en a 2, il va falloir compléter avec 8. Très bien. 2 plus 8 égale 10. Si on en a 3, il va falloir compléter avec 7. 3 plus 7 égale 10. Si on en a 4, il va falloir compléter avec 6. 4 plus 6 égale 10. Si on en a 5, il va falloir compléter avec 5. 5 plus 5 égale 10. Si on en a 6, eh bien, il va falloir compléter avec 4 parce que 4 plus 6, c'est la même chose que 6 plus 4. Si on en a 7, il va falloir compléter avec 3 parce que 3 plus 7, c'est la même chose que 7 plus 3. Si on en a 8, il va falloir compléter avec 2 parce que 8 plus 2 égale 10. Et si on en a 9, il va falloir compléter avec 1. 9 plus 1 égale 10. Et si on en a 10, bah, pas la peine de compléter, on rajoute 0. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à réessayer si vous vous êtes trompé et recommencer plusieurs fois en mettant sur pause et en regardant la correction.